Raymonde Goudou-Kofi, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, qui était présente aux festivités de la Pâque dans la région du Bélier, n'y est pas allée les mains vides. Elle a offert une ambulance au district sanitaire de Raviar, dans le département de Didiévi. Ce véhicule permettra d'évacuer plus rapidement les malades vers les centres hospitaliers. Nous avons annoncé qu'un des aspects de la politique de son Excellence M. Alassane Ouattara résidait surtout dans le rapprochement des structures sanitaires des populations. Nous avons déjà remis l'ambulance du CHR de Dalois, le même type d'ambulance. Aujourd'hui, celle de Raviar. Mercredi, l'ambulance d'Aféry. Et avant le 15 mai, l'ambulance de Tafiokar. Mes sentiments après la réception de l'ambulance de Ravia, ce sont d'abord des sentiments de joie parce qu'on nous apporte un outil de travail qui est très important pour pouvoir sauver la vie des patients, ceux qui sont dans des états graves. Ça permet aussi également de pouvoir prendre en charge rapidement certaines situations en charge. L'hôpital général de Thiébissou a également bénéficié de matériel médical et de kits de maternité de la part de l'épouse du président du conseil régional du Bélier, Jeannot Kouadio-Aoussou. Tous ces dons visent un même objectif, celui de contribuer à la prise en charge sanitaire des populations dans la région du Bélier.